commencer par juste vous dire un petit peu qui je suis, puis comment ça se fait que je vous parle d'intelligence collective, dans quelle mesure je connais ça. Ben, c'est simplement parce que c'est mon métier, en fait. J'en ai vraiment fait mon métier. C'est la facilitation de l'intelligence collective. Je ne sais pas si c'est un terme que vous connaissez, mais normalement, après la conférence, vous saurez ce que c'est. Donc, c'est à l'origine, moi, je travaille dans les ressources humaines et je me suis formée comme psychologue à l'origine. Et j'ai pu remarquer que finalement, le collectif, quand on est dans un collectif qui est intelligent, qui vous donne une place, où vous avez la confiance, où il y a plein d'ingrédients super, on est comme une belle plante, comme en permaculture, on s'épanouit, on grandit, on donne des graines, on donne des fruits. Et puis par contre, si on est sur un sol pauvre, sur quelque chose où c'est aride, peut-être venté, ou en tout cas où il n'y a pas les bonnes conditions, la même plante, elle ne va pas du tout donner la même chose. Et donc moi, en fait, je fais de la permaculture humaine, c'est-à-dire que je vais faire en sorte que chacun contribue au mieux au collectif, et donc mobiliser cette intelligence collective. Donc j'ai prévu un petit plan, je vais vous le dire. Je vais vous dire en fait ce que j'ai prévu pour cette conférence de manière à ce que vous puissiez vous dire c'est bien ça, ça m'intéresse, je reste. Ou peut-être, oh là là, non, je ne suis pas au bon endroit. Et dans ce cas-là, c'est pas très grave. C'est important d'être à la bonne place. C'est ça aussi la permaculture humaine. Alors le plan. On va d'abord définir qu'est-ce que c'est que l'intelligence collective, parce que c'est un concept. Je vais vous donner ma définition de l'intelligence collective. Je vais vous dire quelques mots de pourquoi je suis... Enfin, ici, on est au salon de la transition, des acteurs de la transition. Et pourquoi l'intelligence collective, pour moi, est vraiment un enjeu majeur dans la transition, dans les transitions qu'on veut faire. Alors là, ça va nourrir un peu notre cerveau. Mais ensuite, je vais plutôt vous donner des éléments pour que vous puissiez identifier comment on la mobilise. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de s'en sortir en disant « Ah !» Ben, l'intelligence collective, elle est là, et comment je peux, moi, à mon niveau, la mobiliser. Donc, je vous donnerai des éléments, des clés, en fait, pour la mobiliser, là où vous œuvrez. Et puis, on fera un petit temps d'échange, un petit temps de questions, je ne sais pas quelles sont vos questions, vos besoins de compréhension, de clarification, et il y aura un temps de questions. Et il y aura aussi, cette conférence, elle se veut interactive, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je vais amener des choses, je vais vous inviter, vous, à partager entre vous, pour commencer à mettre un petit peu d'intelligence collective dans ce collectif que vous formez. Alors, selon si c'est un menu qui vous intéresse, que vous avez envie de rester, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas le cas, sentez-vous très libre. C'est important aussi d'être là parce qu'on l'a choisi et c'est aussi ce qui fait qu'on est en intelligence collective, c'est quand ça a du sens pour nous. Alors du coup, ce que je vais vous faire, c'est je vais vous inviter à vous retourner, à parler à une personne que vous ne connaissez pas, donc a priori peut-être pas votre voisin ou votre voisine avec qui vous êtes venu, mais peut-être la personne qui est derrière vous ou qui est 2-3 places plus loin, et que vous puissiez échanger sur qu'est-ce qui fait... Quel sens vous vous mettez ? Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cet après-midi de venir à cette conférence ? Ou en tout cas d'entrer, de pousser la porte et de rester ? C'est quoi pour vous votre intention, votre motivation, le sens que vous mettez à votre présence là, sur les 3 quarts d'heure qui viennent avec moi ? Je vous laisse échanger avec votre voisin, votre voisine, ou surtout la personne une personne que vous ne connaissez pas. Comme ça, c'est bien de découvrir... Il n'y aura pas d'interrogation. Hein. Ok, merci. Alors d'habitude j'ai un petit gong, je ne suis pas venue avec, un petit gong de méditation, vous savez, pour dire,
ça va être le moment de finir votre phrase, hein. Terminez votre phrase, mais n'en entamez pas une autre. Et est-ce que je peux avoir un petit échantillon de vos, voilà, de ce qui fait que vous êtes là cet après-midi, ce dimanche ? Voilà, le micro, je le passe à qui veut. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Un petit échantillon de vos motivations à être là. Qui veut bien partager ? Oui, merci. Alors moi, je suis venue ici parce que c'est tout simplement le monsieur qui est juste derrière moi qui, voilà, qui m'a dit je vais à une conférence et du coup je me suis dit tiens il va à une conférence ben écoute je vais le suivre et du coup je suis venue, voilà. Donc ça a créé un lien finalement dans l'idée de venir partager un moment ici avec vous. L'intelligence collective, est-ce que ça me parle ? Ben, j'ai commencé à entrevoir l'introduction du fait de votre exercice de nous mettre à communiquer les uns avec les autres. Donc ça doit avoir un sens là-dedans. Maintenant, j'attends de découvrir quoi. Merci beaucoup. Je me permets de tutoyer. En fait, c'est ce qui ressort naturellement. On va voir tout à l'heure que dans l'intelligence collective, il y a la notion d'équivalence. Puis d'être assez proches finalement les uns des autres. Donc le tutoiement, c'est ce qui va avec en général. Le vouvoiement étant une marque un peu parfois de respect ou de... Voilà. Donc du coup, c'est le tutoiement. Je me suis permis de tutoyer. Ça va peut-être arriver avec vous autres. Ça va. Une autre personne qui voudrait nous dire... voilà, tiens, je croise ton regard et voilà, il m'appelle. Moi, je suis poussée comme un aimant à venir ici pour communiquer davantage parce que bon, quand on est seul, on s'éloigne comme un peu de l'humain. Et on se surprend à être timide, et puis finalement, ben, on retire sa timidité ici, finalement. Quoi. On va voir qu'il est affaire de prendre sa place, justement, y compris pour les timides, prendre une place et partager des choses qu'ils gardent pour eux, peut-être trop. Et il y a d'ailleurs aussi une question pour en intelligence collective, pour les égos, parfois de moins parler, de laisser la place pour les autres, puisqu'il y a cette équivalence entre nous, hein, personne n'est plus... Tout le monde a quelque chose, hein, tout le monde on est différent, mais on a tous quelque chose à apporter. Comme les plantes, elles ont tous, si c'est mono, ben c'est pas de la permaculture, c'est moins intéressant que quand il y a cette diversité. Et l'équivalence, c'est aussi dans les temps de parole. Quand on est en intelligence collective, on veille à ce que chacun ait à peu près le même temps de parole. Et moi, là, ça va pas être le cas. Hein. Je suis désolée pour cette fois-ci. Si on travaillait en intelligence collective, je lancerais les questions et c'est vous qui produiriez. Moi, je serais juste là pour contenir et vérifier que ça se passe, voilà, que ça circule, que tout le monde s'exprime, qu'on va chercher toutes les infos dont on a besoin, mais ça produirait par le groupe. Là, ça ne va pas être le cas, on est dans le mode conférence, même si c'est interactif. Alors, ça, c'était le programme. Donc, personne n'est parti. Oh, ben, c'est bien. Ça, je vous l'ai dit, en fait. Hein. Ah oui, voilà, je vous l'ai dit. Et ben voilà, ça, on l'a partagé. Alors, ce concept d'intelligence collective, c'est pas évident de le définir. Bon, ce qui est sûr, oui, je voulais vous demander quand même quelque chose. Est-ce que vous pensez que vous êtes intelligent ? Est-ce que vous pouvez lever le doigt si vous pensez que vous êtes intelligent ? Ben, tout le monde ne lève pas le doigt, donc c'est pas si évident. Ben... Donc, l'idée, c'est qu'il y a des intelligences individuelles. Je sais pas si vous connaissez les intelligences multiples. Voilà, il y a plein de formes d'intelligence. Alors, évidemment, au niveau scolaire, il y en a une qui est au top, c'est logico-mathématique. Là, vous êtes très intelligent, selon notre société. Bon, il y a d'autres types d'intelligence, heureusement, notamment l'intelligence émotionnelle, qui est utile et vraiment importante en intelligence collective. Mais peu importe, toutes les formes d'intelligence sont les bienvenues. Et c'est là, justement, c'est une forme d'intelligence qui intègre toutes les différentes formes d'intelligence individuelle. Et quand on est tous ensemble en collectif, le collectif, c'est comme s'il formait un grand corps avec... au service d'une intention commune, chacun amène comme un organe, amène quelque chose qui sert le collectif. Donc il y a besoin de toutes les intelligences individuelles. Alors, bah, du coup, c'est d'autant plus important, l'intelligence du collectif, elle est d'autant plus importante qu'il y a de la diversité. Alors il y a des études, je ne retiens jamais les chiffres, mais il y a des bouquins là-dessus, notamment un d'Émile Servan-Schreiber qui raconte... si on met que des ingénieurs, si on met que des juristes, si on met que des artistes à résoudre un problème, ben ils vont être beaucoup moins intelligents que si on arrive à mettre une diversité de métiers, de parcours, de cultures. Et là, on va avoir des résultats solides. Là, on va avoir une vraie intelligence, une vraie créativité
pour peu qu'il y ait ces fameuses conditions dont on parlera tout à l'heure. Alors, l'intelligence collective, des fois, quand même, malheureusement, souvent, moi, j'en ai fait l'expérience aussi dans les premières entreprises où j'ai travaillé, j'ai connu le bon, mais aussi le moins bon. Des fois, ensemble, on n'est pas intelligent, on est plutôt con. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Des fois, le collectif peut aller chercher le pire de nous-mêmes, ou même vraiment montrer de la bêtise, en fait. Même le système dans lequel on est aujourd'hui, qui est plutôt un système destructeur, en soi, il n'est pas intelligent. Donc, l'intelligence collective, c'est un potentiel, mais il faut qu'il soit révélé, le potentiel. C'est comme les graines, il est en graines, en germe dans chaque collectif, mais il peut ne jamais être mobilisé. Moi, mon métier, justement, c'est d'aller les mobiliser. Quand on m'appelle, c'est pour qu'un collectif sorte sur une question, sur un sujet en jeu, sur le meilleur, et donc l'intelligence, mais qui n'est pas là d'emblée. Elle n'est pas là, elle n'est pas toujours là a priori. Alors, pour qu'il soit... Donc, c'est un potentiel qui fait qu'on est créatif, qu'on coopère, qu'on sait s'auto-organiser. Ça, c'est notamment en gouvernance partagée. Peut-être c'est des choses que vous avez entendu parler, la gouvernance partagée. Là, c'est vraiment le top de l'intelligence collective. Quand on peut fonctionner en gouvernance partagée, eh ben, on s'auto-organise, en fait. C'est présent, mais il faut qu'il y ait aussi un sens commun. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous relie. Je parlais d'un corps qui fait qu'on est une unité. Il faut qu'il y ait une motivation commune, un objet commun, un objectif, quoi, quelque chose qui nous réunisse. Excuse-moi. Alors, le fil conducteur, le fil qui nous tire, l'objectif, comme ça serait un phare. Souvent, en intelligence collective, on travaille avec la raison d'être du projet, la raison d'être de la mission qu'on se donne, la raison d'être. Et après, c'est ce qui nous relie. Et une fois qu'elle est claire, ben, chacun trouve sa place au service de cette raison d'être. Mais elle a besoin d'être très clairement exprimée. Alors, voilà pour le concept. Il y a plein de définitions possibles. Mais je pense que ça dit quand même les points clés de l'intelligence collective. Si jamais il y a quelque chose de pas clair ou un besoin de clarification, vous me dites et je peux continuer. Alors j'aime bien cette citation, parce qu'on va passer maintenant après le concept à l'idée de en quoi c'est un enjeu. Moi je pense que si vous êtes là, c'est que pour vous ça en est un aussi. J'aime bien cette citation-là. Les grands enjeux de l'humanité ne sont pas la fin. La pauvreté, le développement durable, la paix, la santé, l'éducation, l'économie, les ressources naturelles, mais notre capacité à élaborer de nouvelles organisations capables de les résoudre. Notre enjeu principal est l'intelligence collective. Pour moi, ça résume quand même pas mal de choses. C'est la manière d'être ensemble qui, si on est en intelligence collective, qui va faire qu'on va arrêter certains comportements, qu'on va naturellement se tourner vers des choses plus simples, naturellement, être inclusif, trouver des solutions. Donc, il y a cet enjeu d'intelligence collective. Quand on voit le système dans lequel on est aujourd'hui, il produit des, entre guillemets, alors en permaculture, c'est des ressources normalement, mais ça devient des déchets. Il produit des burn-out, il produit des maladies chroniques. Enfin, le système produit plein de choses qui ne sont pas souhaitables. Et quand on fonctionne d'intelligence collective, moi, je me rends compte quand j'interviens dans les équipes, ce qui se passe, c'est qu'il y a de l'énergie retrouvée, il y a du sens retrouvé, il y a de la santé retrouvée, il y a du bien-être, et ben voilà, c'est ça qu'on a, il y a du lien. Donc c'est de ça dont on a besoin, les humains, des connexions, puis d'une place. Et voilà, et en fonctionnant comme ça, ben on peut déplacer des montagnes, et puis voilà, être ouvert sur des nouvelles manières de faire. Alors, ouais, j'avance sur... en quoi c'est un enjeu ? Moi, je pense que pour construire demain, on a des situations très complexes. L'intelligence collective, c'est vrai qu'elle permet aussi d'être créatif et de faire face à des situations qui sont très compliquées. Si vous avez juste besoin de résoudre une addition, vous n'avez pas besoin de l'intelligence collective. Par contre, si vous avez un problème très complexe, où il y a plein de paramètres, comme l'est le monde d'aujourd'hui, où tout est connecté, tout est interdépendant, et où il n'y a pas une bonne solution, mais en fait on peut en prendre plein, l'intelligence collective va être adaptée à ces situations où il y a de la complexité et un besoin d'innovation. Parce qu'on a besoin justement de la diversité, parce que ça permet de croiser les regards. Et de sortir aussi des logiques de cloisonnement. Alors ça, il y en a beaucoup dans les organisations, dans les pays. Le cloisonnement, c'est un truc qui... contre lequel on lutte en intelligence collective, parce qu'on décloisonne, on met tout le monde en même temps, tous les niveaux hiérarchiques, et
les gens de l'organisation, les gens qui sont extérieurs à l'organisation. Tout le monde a des choses à apporter, qu'on soit dedans, dehors, et à quelques niveaux qu'on soit, au lieu d'être cloisonné entre soi. Et aussi, l'intelligence collective, en fait, moi, quand j'interviens, je me rends compte que tout le monde a besoin de sens. Les jeunes, tout particulièrement, qui ne vont pas hésiter à quitter les organisations si ça ne fonctionne pas en intelligence collective. Donc, il y a vraiment besoin pour chacun de trouver du sens et puis de faire des choses qui sont intelligentes et le faire ensemble. Donc, c'est un enjeu. Quand on ne fonctionne pas comme ça, bah, c'est vrai que les boîtes, on perd le sens et on perd de l'énergie. C'est comme en PERMA, on lutte contre les fuites d'énergie. Avec l'intelligence collective, on mobilise plus qu'on fait des fuites d'énergie, comme certaines organisations nous amènent à malheureusement perdre tout ça, à perdre même notre identité. Alors, on a parlé, j'ai beaucoup parlé, pour dire ce qu'était l'intelligence collective et en quoi elle était importante. Et je vais vous donner un peu la parole maintenant à nouveau. Cette fois-ci, c'est pour on va maintenant basculer sur la deuxième partie de mon exposé qui est autour des conditions pour que l'intelligence collective se mobilise. Et je voudrais que vous retrouviez dans votre mémoire une expérience, peut-être toute récente, peut-être plus ancienne, peu importe, mais où l'intelligence d'un collectif auquel vous appartenez s'est mobilisée. Où vous vous êtes dit, bah ouais, finalement, quand je regarde ce qu'elle dit là, c'est ce qui s'est passé lors de mes dernières vacances avec ma bande de potes, ou c'est ce qui s'est passé à la réunion machin, ou c'est ce qui s'est passé sur tel projet. Voilà. Ou même à l'intérieur de ma famille. Je vous invite à identifier une situation plus ou moins récente, une petite situation ou une plus grosse, où il y a eu de l'intelligence collective et dans laquelle vous étiez vous impliqué. Et une fois que vous avez cette situation, je vous invite à vous poser la question. Alors, attendez, je crois que je l'avais mis là. Qu'est-ce qui était présent? Mais qu'est-ce qui était là qui fait que finalement on a été intelligent là, tous ensemble? Alors que des fois, on se tire dans les pattes ou on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui a fait que c'était présent, cette intelligence collective? Donc, un, trouver la situation. On ne va pas la raconter, la situation, mais qu'est-ce qui était présent? Et puis de le partager avec quelqu'un. Je vous dis bienvenue. On a démarré, c'est sur l'intelligence collective. Vous allez embarquer et puis faire avec. Alors, c'est pas évident de trouver une situation où il y a eu de l'intelligence collective. Si, quand même, hein. Ouais. Alors, vous avez en tête ce qui était présent? On partage direct sur ce qui était présent? Pour moi, c'est une histoire d'écoute, de confiance, de se sentir en sécurité et entendu, déjà. Je laisse un peu pour les autres. Oui, c'est quelque chose que j'adhère complètement et que je trouve qu'il n'y a pas mieux, quoi. Merci beaucoup. Donc, tu as parlé d'écoute, de confiance, de sécurité. D'autres ingrédients que vous avez pu... Il y a aussi le côté prendre le temps de sentir comment on se sent dans l'instant pour pas projeter sur l'autre en fait des croyances ou des choses comme ça. Donc c'est un peu une sorte de... Moi, j'appelle ça la pratique de l'attention. C'est un petit peu prendre le temps de voir comment on se sent dans l'instant. Et quand on sait qu'on va réfléchir à quelque chose, qu'on va échanger des idées, essayer de voir que chacun a sa propre réalité. Et que l'idée, ça va être de partager sa réalité et de faire en sorte que, bien sûr qu'on ne sera pas d'accord, chacun sa logique, mais qu'on est là pour découvrir la logique de l'autre, sa réalité, et que peut-être ça peut venir agrandir la nôtre. Et, voilà. C'est ce que tu dis, là, c'est très chouette. Et ça rejoint l'idée que, en intelligence collective, en fait, on va partager, on va rendre visible des choses qui, sinon, entre guillemets, sont invisibles. Nos pensées, nos croyances, nos peurs. Alors, elles finissent par être visibles au bout d'un moment. Mais des fois, un peu trop tard, et du coup, on ne les a pas intégrées. Donc, on va parler de nos sentiments, on va parler de nos envies, on va parler si on a bien dormi ou pas. Enfin, on ne va pas tout de suite commencer par bosser. On va d'abord voir chacun d'où il arrive et avec quoi il arrive. Et c'est quoi ses motivations ou ses absences de motivation. Et une fois qu'on a tout ça, on va se mettre à bosser. Mais on saura plein de choses qui vont enrichir ou faire adapter notre travail. Donc, toi, tu appelles ça comment, tu dis? L'attention, c'est ça? Les pratiques de l'attention, ouais.
C'est quelque chose comme ça, ouais. Est-ce qu'il y a une dernière chose? Oui. Alors, je regarde s'il y a quelqu'un qui ne s'est pas exprimé et qui souhaitait le faire. Non, bah vas-y. C'est juste parler de la confiance de l'autrui et l'acceptation de l'autre. L'acceptation. L'acceptation. Alors, on va y revenir tout à l'heure à ça. Bon, bah voilà, en fait, vous le savez, comment ça fonctionne, l'intelligence collective. Hein. C'est ce qui se passe en général. Les gens, ils savent... Enfin, les gens, les collectifs, il y a tout le savoir à l'intérieur, quasiment. Il n'y a pas forcément besoin que ça vienne de l'extérieur. Chacun, en partageant, fait émerger les réponses. Donc, vous êtes, ça fait la démonstration que vous êtes intelligent. Hein, on le savait déjà. Alors, du coup, moi, je vais venir sur les conditions de sa mobilisation. Donc, tout ce qui a été dit, c'est vraiment ça. Je l'ai résumé en quelques points. Alors, la chose dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était le fait qu'il y ait une intention commune, qu'il y ait quelque chose qui nous réunisse. Parce que on n'est pas des gens éparpillés, on a quelque chose qui nous réunit. Et c'est important que ça soit clair, l'objectif qu'on cherche à atteindre ensemble, qu'il soit le plus clair possible, mais surtout qu'il soit régulièrement partagé et peut-être même revisité, parce que le monde bouge. Donc un objectif qui a été défini à un moment donné, la vie change, les conditions ne... change, on le voit bien avec tout ce qui nous arrive là depuis 2 ans. Donc il est à régulièrement reclarifier et partager. Moi j'arrive des fois dans des organisations où je dis bah, c'est quoi votre raison d'être, c'est quoi la mission de votre service, c'est quoi vraiment ce qui fait que c'est l'ADN quoi, de votre collectif. Et ben c'est écrit quelque part, mais ça n'a jamais été partagé. Les nouveaux qui arrivent, on leur dit juste tu fais ci, tu fais ça, ils ont leur petit carré, mais on ne leur dit pas à quoi ils contribuent. C'est un peu comme l'histoire, vous savez, vous l'avez dû déjà l'entendre, le maçon qui fait un mur. Ou peut-être qui œuvre à construire une cathédrale. Ce n'est pas tout à fait la même reconnaissance ou le même sens qu'on y met. Donc c'est important de savoir à quoi on contribue et qu'est-ce qu'on est en train de faire tous ensemble et en quoi c'est important. Après, chacun a son rôle. Et c'est pour certains, voilà, c'est important que ça soit régulièrement affiché, partagé, et c'est ça qui contribue à l'intelligence du collectif. Alors après, il faut que ça ait du sens pour chacun. Ça peut avoir des sens différents. Hein. Il y en a qui peuvent le faire... Par exemple, je parle du travail. Moi, j'interviens beaucoup dans les milieux où on travaille. Le sens peut être, pour les uns, ça va être une partie de leur, une étape dans leur vie professionnelle. Pour d'autres, ils sont vraiment habités par la mission ou par l'intention. Et c'est pas très grave. Le tout, c'est de savoir pourquoi, enfin, que chacun sache quel sens il y met et que c'en est un. Et ensuite, eh ben, c'est tout ce que vous avez dit. Ce cadre relationnel sécurisant. Où on va pouvoir poser les choses, on va pouvoir dire, même si on ne pense pas pareil, et même surtout si on ne pense pas pareil, on ne va pas se faire juger. On va pouvoir parler de nos doutes, ou parler de nos envies, ou des évolutions qu'on a, toutes les idées qu'on a. Et on ne va pas être pris pour un fou, pour quelqu'un qui veut tout remettre en cause, mais au contraire, quelqu'un qui contribue, et puis on prendra ou on ne prendra pas, ça, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. En intelligence collective, il faut poser les choses, et après accepter de les lâcher, parce que c'est le collectif qui prendra ou pas. Donc, ce cadre sécurisant qui favorise un dialogue, j'ai surtout pas de débat. J'aime bien la différence entre le mot dialogue et débat. Alors, on a vu avec la politique, là, les débats, ça n'avance à... Chacun reste sur sa position. Quand on dialogue vraiment avec quelqu'un, le dialogue nous fait... nous enrichit, et puis on peut bouger de point de vue. Donc là, c'est vraiment du dialogue qu'on instaure, et du coup, des interactions constructives. Et il faut qu'il y ait ça, ce cadre relationnel, pour qu'on puisse bosser ensemble d'une manière où chacun contribuera au meilleur. Bienvenue à ceux ou celles qui arrivent, installez-vous. Donc on est en train de travailler, d'évoquer toutes les conditions qui font qu'il y a de l'intelligence collective et qu'elle se mobilise, qu'elle se met au service de la mission qu'on est en train de faire ensemble. Alors, sur la partie qui vient là, je voudrais évoquer, en fait, du coup, moi, mon boulot, c'est de créer ce cadre relationnel sécurisant dans les collectifs où j'interviens et qui m'appellent parce qu'ils ont besoin de travailler ensemble différemment ou soit de créer plus de cohésion, soit d'apprendre ces manières d'être et de faire ensemble, soit aussi parce qu'ils ont une situation complexe où il faut de la créativité. Puis moi, je suis là pour les aider à réfléchir différemment et avoir cette récolte. Je suis comme Marie, je parle de récolte. La récolte, c'est ce qu'on produit ensemble. Et donc moi, je m'appuie en fait sur, pour faire émerger le meilleur du collectif au service de l'intention commune, donc de ce pourquoi on est réunis, j'invite les gens à mobiliser certaines attitudes, certains,
savoir-être, certaines manières d'être ensemble. Et ça crée ce cadre sécurisant qui va faire que le dialogue entre les personnes va exister et que du coup, on va produire des nouvelles idées, on va s'accorder. En intelligence collective, on passe toujours par deux étapes. Une première étape où on diverge, donc on additionne tous les points de vue, donc on se retrouve avec plein de points de vue. Je fais ma main ouvre parce que ça veut dire qu'on élargit le champ. Mais après, une fois qu'on est là, il ne faut pas rester là parce que sinon on est un peu perdu. Il y a trop d'idées, trop de choix. On a l'impression que personne n'est d'accord. Mais ensuite, en lien avec l'intention commune qui nous guide, et puis les cadres, il y a toujours un problème de délai, des problèmes d'argent, des conditions particulières à prendre. Ça va nous aider pour pouvoir finalement trier parmi tous ces possibles et converger ensemble vers ce qu'on va retenir et qui va être du coup solide puisqu'on l'aura tous décidé ensemble. Donc il y a toujours ce mouvement où on ouvre large pour avoir plein de créativité, plein d'idées, on pose tout et après on converge pour quelque chose de solide et on accepte d'abandonner certaines idées, hein, même si elles étaient super, mais pour des bonnes raisons. Et en tout cas là, on les aura posées, on aura vraiment regardé, on aura dit bah non, ça, pas pour l'instant. Et puis on aura priorisé autre chose. Donc, voilà, l'intelligence collective, il faut que c'est ce cadre pour ouvrir, et puis cette intention commune et ce cadre aussi pour fermer. Alors, les attitudes, je vais vous les présenter. Il y en a, je crois, 7. Et l'idée, c'est que j'ai envie de vous inviter. Alors, c'est plus pour vous, que vous puissiez vous dire à cette attitude, comment je suis, moi, avec cette attitude? Est-ce qu'elle m'est naturelle? Est-ce que moi, si je veux travailler dans l'intelligence collective, oh, ben, ça... Je veux dire, je coche la case, là, je suis assez bien avec cette attitude, ou peut-être pas, ah ben non, j'ai un petit peu de boulot à faire, c'est pas très grave. Hein. Ce que je dis aux participants, moi, c'est que ça, c'est un peu ce vers quoi il faut aller, et puis il y a des jours, on y est, des jours, on y est moins, et puis c'est un chemin de toute la vie, hein, d'avoir ces attitudes-là. Donc je vous invite, au fur et à mesure que je vais les présenter, à regarder pour vous dans quelle mesure c'est souvent présent, ou ça mériterait d'être un peu cultivé, et ce qui est le cas, ben... Voilà, le tout, c'est de le savoir, en fait, et d'en être conscient. C'est ça, la première étape, c'est d'être conscient pour pouvoir apprendre à faire autrement. Alors, la première attitude, je vous en ai parlé. Je vais radoter, mais c'est pas grave. C'est vraiment cette idée d'équivalence. Et ça, c'est pas si évident. Quand moi-même, dans mon histoire de vie, je vois bien... Au départ, je me disais, je ne suis pas légitime, ce que je dis, ce n'est pas très intéressant, je n'ai pas d'expérience, enfin, plein de choses qui fait que je ne me sentais pas en équivalence. Les autres, ils étaient au-dessus, dans mon esprit. Hein. D'autres fois, il y a des gens, enfin, là, je me reconnais peut-être un petit peu moins, où ça peut encore m'arriver, peut-être de me dire, je sais plus quand même, hein, je suis quand même mieux placée, et dans ce cas-là, je ne suis pas dans l'idée que tout le monde est équivalent. Et ça, ça nous arrive tous, hein, je crois. Donc, c'est vraiment se dire, non, tout le monde a sa place. S'il est là, c'est qu'il a un lien avec l'intention commune, il ou elle. Et donc, être vraiment accordé avec l'idée d'équivalence, y compris de la sienne vis-à-vis des autres. Tu veux réagir? Oui, je voudrais réagir. L'équivalence... Après, c'est dans le monde de l'entreprise est très difficile de mettre en place, parce qu'il y a toujours le système pyramidal qui est bien ancré dans ce système-là. Il est très difficile d'avoir cette équivalence-là. Donc oui, entre nous, oui, dans la vie tous les jours, entre les amis, autour de nous, mais au sein du travail, et ben à part dans une SCOP ou autre. Sinon, il est très difficile de sortir de cette équivalence. Mais je le souhaite, hein, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, c'est vrai que quand je dis équivalence, je rejoins complètement ce que tu dis. Enfin, ça ne s'oppose pas avec ce que je dis. C'est vrai que moi, quand j'interviens, j'interviens dans les organisations, dans les entreprises, les collectivités. Enfin, et il y a dans les équipes, moi, je réunis différents niveaux hiérarchiques. Je veux surtout pas qu'il y ait que des chefs ou que des pas chefs ou que le même type de personnes, puisque la diversité, on va le voir, c'est une des clés de l'intelligence collective. Enfin, on l'a vu. Donc, pour que on y voit plus clair sur une situation, il faut réunir des gens qui voient les choses de différents points de vue. Donc je le fais. Enfin, je réunis des gens. Alors. Et je leur dis, mais vous êtes en équivalence. Donc aujourd'hui, il y a la grande chef, la directrice générale ou le président ou les gens qui peuvent avoir plus de poids ou ce poids hiérarchique qui fait que parfois on n'est pas en sécurité ou qu'on se dit on va être jugé. Enfin, on se dit tout ça. Hein. Enfin, moi, je me le suis dit en tout cas. Alors, l'idée, c'est de cultiver au moins des espaces
Moi, c'est ce que j'arrive à faire, enfin, je pense, parce que ça marche bien. Où on oublie un peu que machin, il a telle étiquette, tel galon. Après, il va le reprendre quand même son galon et il va peut-être avoir une décision. C'est peut-être quand on va faire la convergence dont je parlais. Peut-être que c'est cette personne-là vers laquelle je vais me tourner en disant bah là, mettez votre casquette de chef ou de finance ou de je sais pas quoi ou de. Et qu'est-ce qui est dit depuis ce point de vue-là ? Est-ce que ça nous dit quelque chose ? Mais c'est cultiver cette équivalence le plus possible. Quand on doit réfléchir ensemble, il faut qu'on soit en équivalence parce que sinon, il n'y a pas une intelligence. Il faut prendre les intelligences multiples et donc les différentes personnes avec leur histoire, leur culture, leur œil neuf, leur œil ancien. Enfin, tout ça, c'est. Mais c'est ça qu'il faut cultiver petit à petit, créer des espaces où c'est possible pour qu'après, bah, ça nous acculture ou ça acculture tous ceux qui ont des responsabilités pour les. Créer ces espaces de sécurité avec les personnes pour lesquelles, enfin, qui travaillent avec vous, quoi. Voilà. Enfin, malheureusement, j'ai pas cette impression à l'heure actuelle où ça sent pire. Hein. Moi, je trouve que la situation s'améliore pas, hein, du coup, avec nos zones politiques. Voilà. Enfin, je sais pas si c'est responsable, hein. Mais même on voit. Hein, j'ai été encore manifesté ce matin pour le 1er mai, hein, pour l'état du travail. Les conditions de travail se dégradent d'année en année, quoi. Et je ne vois pas. C'est vrai que ça vous portez beaucoup d'optimisme, hein, mais tant mieux, hein, c'est un peu votre message. Hein. Mais dans le quotidien, moi je le vis, hein, en plus je viens d'un milieu associatif, d'éducation populaire, donc je sais de quoi je parle. Hein, je pensais être préservé de cette problématique, et ben on est affecté à l'heure actuelle, quoi, du coup, quoi. Donc je n'imagine même pas dans les entreprises dites classiques. C'est un monde, voilà, c'est le monde devenu fou, quoi. Moi, j'ai cette impression-là, quoi, du coup, quoi. Alors, on pourrait débattre ou échanger. Excuse-moi, mais je vais me permettre d'avancer sur les attitudes de manière à ce qu'on. Mais c'est vrai que chaque. Alors, ouais, moi, mon propos, c'est de dire que c'est quoi les attitudes à mobiliser pour que l'intelligence collective arrive. Donc, toi, tu constates que ça, rien que ça, c'est déjà un sacré sujet. Et chaque attitude est un sacré sujet, hein, parce que nos manières dont on a été élevé, dont notre culture aujourd'hui nous met dans un espèce de moule, je caractérise un petit peu, mais c'est une pyramide avec des niveaux puis des strates, hein, donc du coup c'est pas l'équivalence. Donc on doit lutter pour instaurer autre chose qui est plus intelligent, plus sain, plus constructif. Alors moi j'ai la chance parce que comme je travaille dans ce domaine-là, les boîtes qui m'appellent, c'est qu'elles ont déjà quand même envie de ça. Donc, là où j'arrive, des fois, ce n'est pas évident pour les gens. Hein. J'étais encore là cette semaine dans un endroit où il y avait, dans un collège, il y avait des gens qui faisaient la cuisine, des gens qui faisaient l'entretien. Il y avait la gestionnaire du collège. Ce n'était pas évident pour eux de parler parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils ont pas c'est un savoir-faire aussi. Hein. Donc, tout ça, ça se cultive. J'ai la chance d'arriver dans des endroits où les gens sont ouverts à ça. Mais je me dis qu'avec toutes ces petites graines, moi, c'est le sens que je mets à mon intention, si tu veux, ma raison d'être, c'est de contribuer à ce que ça bouge, mais effectivement, on est face à une montagne. Hein. Ouais. Alors, il faut être plusieurs pour pouvoir communiquer l'intelligence collective, il faut que ce soit aussi partagé, aussi bien par l'ensemble des personnes responsables. Voilà, oui. Il faut qu'il y ait une volonté. Il faut qu'il y ait une volonté, il faut qu'il y ait une intention commune, c'est ce qu'on a dit. S'il n'y a pas d'intention commune, ça ne marche pas. Donc l'intention commune, déjà, la première, c'est qu'est-ce qu'on poursuit et qu'on a envie de le faire comment ? Est-ce qu'on a envie de le faire en intelligence collective ? Et à ce moment-là, on embarque et on se dit, attention, c'est pas comme d'habitude, là, on est en équivalence. La deuxième, c'est la confiance en la diversité. Alors, la diversité, on a vu que ça crée de l'intelligence collective. Enfin, si on a un groupe différent, ça va être plus riche, plus intelligent. Mais quand on est en termes d'attitude, ça veut dire qu'il faut avoir confiance que l'autre qui ne pense pas comme nous, c'est super. Et c'est pas toujours super, parce qu'il y a plein d'automatismes où on pense que si on pense pas comme nous, alors, on s'oppose à nous, ou on est contre, ou ce qu'on dit, c'est peut-être vraiment stupide, hors propos. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent venir. Quand la diversité s'invite, il y a d'abord, je pense, dans nos fonctionnements, une habitude d'opposition, de se dire « Ah, on c'est contre, ça va se heurter, si on n'est pas d'accord, on va... » Des fois même, on n'ose pas dire si on n'est pas d'accord, parce qu'on se dit que ça va créer un conflit, ça va créer une tension. Alors que dans l'attitude, avoir confiance en la diversité, celle qui est invitée pour mobiliser l'intelligence collective, c'est se dire non. Enfin, c'est avoir confiance que ce qui va être amené, qui est différent de ce que je pense, de ce que je vis, de ce que je crois, va être une richesse. Et au contraire, invitons cette diversité. Alors, je peux vous dire que ce n'est pas si évident. Enfin, je pense que si vous pensez à vous dans votre vie, inviter la diversité, les points de vue différents, des fois, ce n'est pas très,
ben, c'est pas forcément facile, quoi. Donc là, on va cultiver, on va faire de notre mieux pour avoir confiance, enfin donner, apprendre à avoir confiance dans la diversité. La suivante, c'est la troisième. On va mettre des jeux. Chacun est un jeu avec un J majuscule. Donc chacun est important. Il ne s'agit pas de mettre tout le monde. L'équivalence, c'est pas tout le monde est pareil. On est tous uniformes. On est tous avec nos couleurs, avec nos particularités, notre forme différente. Mais ensemble, on a quelque chose de plus grand qui dépasse les jeux et qui est ce nous. Et donc on va cultiver ce nous et on va mettre nos jeux au service du nous. Donc ça veut dire qu'on oublie un petit peu notre jeu, enfin on le met un peu de côté, parce qu'on n'est pas dans un projet solo, on est un projet collectif. Donc peut-être que moi, ma préférence, c'était d'aller par là. Et bien, le collectif n'a pas retenu cette option, bien que j'ai donné les éléments, ou que j'ai dit pourquoi ça pouvait être une bonne option. Mais il y a peut-être eu d'autres choses, d'autres diversités, des choses qui sont invitées, puis le groupe a choisi autre chose, qui respecte l'intention commune, hein. Parce que pour mener un projet, on peut aller par plein de chemins. Donc le chemin que je proposais, c'est peut-être pas celui qui a été retenu. C'est pas très grave. Enfin, il faut que mon jeu accepte que le nous, dans l'intelligence collective, on est le mot collectif, et donc on lâche un peu de son jeu, mais au service du nous, en lien avec le nous. Je poursuis s'il n'y a pas de remarques. Donc regardez-vous comment vous êtes avec tout ça. Alors l'autre chose, l'autre attitude, ça va être inviter les personnes, chaque personne, à partager avec générosité et avec responsabilité ses points de vue, ses idées. Et c'est un cadeau qui est dessiné parce que c'est un peu comme si on faisait un cadeau. Donc quand vous offrez votre cadeau, après il ne vous appartient plus. Hein ? Donc vous le posez, moi je dis souvent on fait une corbeille, on met toutes nos idées, toutes nos propositions, on les met là, on ne sait plus à qui elles appartiennent, hein. Il n'y a pas de propriété, c'était la meilleure idée, elle venait de machin ou truc, on s'en fout, elle a été mise là. Et en général on fait une espèce de salade avec tout ça et il y a autre chose qui sort. Mais donc il y a besoin que chacun au départ offre ses doutes, sa créativité, son expérience, les petits cailloux dans la chaussure, tout ce qui est au service de la question qui réunit, de manière à ce qu'on prenne la meilleure décision possible. Et ça, c'est pas toujours évident, parce qu'on a toutes ces raisons, des fois, de douter que ça va être bien accueilli, donc on se limite, quoi. Le responsable, c'est en lien avec la question qui nous réunit. Il ne s'agit pas d'occuper tout l'espace et de tout dire, mais de se dire, bon, qu'est-ce qui est vraiment au service de la question qu'on me pose, là ? Ça m'appartient. Non, ça c'est important. Je le pose parce que ça va servir le collectif. Donc c'est cette responsabilité-là. Alors, ça a été dit, je ne sais pas ton prénom, mais tu as parlé d'écoute. C'est vrai que tout ça, ça marche que s'il y a de l'écoute. Hein. Et de l'écoute, vous avez vu, il y a un cœur. Parce qu'il ne s'agit pas toujours d'écouter, c'est d'écouter avec. Alors il y a bienveillance, avec attention. Et alors là, en fait, j'ai un petit truc à vous partager. Pour qu'il y ait des fois, quand l'écoute s'oppose au jugement, souvent, on a besoin de se sentir écouté, de sentir qu'on est bien accueilli dans ce qu'on amène. Et des fois, nous, au lieu d'écouter, on juge. Et ça, c'est juste, entre guillemets, aussi un automatisme normal d'humain, parce que c'est pratique, comme ça, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça j'aime pas. On est perpétuellement en train de mettre des étiquettes et à juger ce qu'ils disent, ce qu'on vit. Là, vous êtes peut-être en train de me juger, est-ce qu'elle parle bien, pas bien, il y en a marre, j'en sais rien. Mais c'est juste normal, c'est pas grave. Par contre, quand on est en intelligence collective, on va essayer de mettre de côté ce jugement, ou du moins de le reconnaître, de manière à ce qu'il ne nous emmène pas sur des mauvaises pistes. Donc, quand on veut arrêter de juger, si vous sentez que vous jugez, et donc vous n'êtes pas dans les attitudes adaptées pour mobiliser l'intelligence du collectif, je vous invite à brancher votre curiosité. Donc imaginez, moi j'ai un dessin avec une petite prise que parfois je montre. Brancher sa curiosité, si vous êtes curieux de l'autre, vous êtes curieux de pourquoi il pense ça, comment elle fait, pourquoi est-ce qu'elle fait ça comme ça, elle a peut-être une raison que je n'ai pas encore découvert, mais il y en a sûrement une. Ou peut-être que, peu importe, mais c'est cette curiosité pour l'autre, pour ce qu'il pense, pour ce qu'il dit, qui fait qu'on va arrêter de juger, et ça c'est vraiment une bonne clé pour cultiver chez soi les attitudes qui vont faire qu'on va, chez l'autre, inviter le meilleur. Donc branchez votre curiosité, ça vous aidera à écouter avec attention. Alors, il y a celle-là, puis il y a la dernière. On arrive sur la fin des attitudes. Alors, celle-ci, je pense que c'est la plus difficile. Alors, elles sont toutes interdépendantes, hein, évidemment. Tout ça, c'est un ensemble. La plus difficile, moi, je pense que c'est lâcher prise sur ce que l'on sait. Vous voyez, c'est un petit bonhomme qui a une idée et il est prêt à la lâcher,
pour accueillir l'idée de l'autre. Et donc ça, c'est vraiment la base de l'intelligence collective. Quand on fonctionne, quand on fait un travail pour avoir une récolte et qui soit le fruit du collectif, on va ressortir avec quelque chose. On ne sait pas ce que ça va être, parce que ça va être ni l'idée de Pierre ni de Paul, ça va être Pierre, Paul, Jacques. Enfin, ça va être un beau tableau où ça aura rebondi. Il y aura eu ce qu'on appelle nous en intelligence collective ce moment d'émergence où, à force de partager plein d'idées, il y en a une autre qui vient. Et puis c'est ça qui est génial et qu'on voulait ou qui est la bonne décision ou le truc qu'il fallait, quoi. Mais ça veut dire que chacun à amener quelque chose, mais n'est pas resté cramponné à son idée, à vouloir convaincre ou à vouloir que ça soit absolument ça. Il a été capable de le poser comme un cadeau et puis d'accueillir l'idée de l'autre et d'être perméable à ce qui va se passer, à ce qui va se dire. Et là, il y a l'émergence du meilleur, quoi, du collectif. Donc lâcher prise chacun sur ce que l'on sait, bah, ça permet de créer du nouveau. Et c'est ce nouveau dont on a besoin qui est un vrai enjeu, moi je pense, pour nos sociétés. Et en fonctionnant dans une chose collective, on peut y arriver. Alors, il reste une attitude. Le respect du cadre, c'est... Quand on fonctionne dans l'intelligence collective, on a vraiment besoin d'un cadre. Le premier cadre, c'est ce savoir-être ensemble, justement. En général, je désigne, ou c'est bien dans les organisations où je suis passée, où on a mis en place... Enfin, pas que moi, parce qu'on est... Il y a d'autres qui font le même métier que moi, mais quand on s'est acculturé, il y a toujours quelqu'un qui est là pour être le gardien du cadre. Et puis, juste rappeler... attention, on s'écoute, attention, gardez pas vos idées pour vous. Enfin, de manière à ce que y a besoin de garder ce cadre, en fait, hein, de l'avoir toujours. En général, moi, si vous descendez en bas à mon stand, j'ai un grand kakémono où on retrouve ces attitudes. Je les ai aussi sur un petit carte de visite marque-page, parce que c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête et ne pas perdre de vue. Donc, il y a un cadre qui est déjà celui des attitudes. Il y a celui du projet aussi qu'on porte ensemble. Donc, c'est à rappeler régulièrement. Et puis, on a un cadre horaire. Les réunions qui finissent à je ne sais pas quelle heure, bah, ce n'est pas confortable pour tout le monde. Donc, on se donne un cadre et on le respecte. Et c'est le cadre est productif, en fait, hein. Le cadre, il est vraiment soutenant pour l'intelligence collective. Moi, quand j'interviens, je fais réfléchir. Enfin, je fais passer par un chemin. C'est très cadré. À l'intérieur, je ne sais jamais ce qui se passe parce que c'est ce que produit le collectif. Mais il y a un chemin qui est réfléchi, qui est pensé. Dans les organisations en gouvernance partagée, il y a beaucoup de liberté, mais à l'intérieur, enfin, pour que cette liberté soit possible, c'est parce qu'il y a un cadre. Donc, il y a beaucoup de... Dans les fonctionnements d'intelligence collective, le respect du cadre est quelque chose d'important, mais c'est un cadre qu'on a décidé ensemble et sur lequel on s'est accordé, donc c'est plutôt confortable. Donc, voilà pour les attitudes qui vont faire que si, quand on y arrive à mobiliser tout ça et qu'on est plein à le faire en même temps, bah, c'est génial, quoi. Moi, je le vis dans le collectif, je travaille à... Enfin, je travaillais parce que je suis arrivée dans la région seulement l'année dernière, mais pendant 20 ans, je bossais à Nantes avec un petit collectif d'une dizaine de personnes. Et je le pratique aussi dans les organisations où j'arrive, et c'est du bonheur. Alors, du coup, bah, voilà, c'est un temps pour les questions. Alors, je ne sais pas combien de temps. En fait, il est 4 heures, donc je ne connais pas les impératifs horaires. Est-ce qu'on se donne 10 minutes ou pas? Ou peut-être qu'il y a des... Voilà, je ne sais pas. 5 minutes. Moi, je serai disponible en bas ou ici après. Il y a peut-être quelqu'un après moi ? Alors, après, il y a la restitution visuelle de la journée. OK. Voilà. Ouais. Donc, pour. Est-ce que tu me permets de faire entrer le... Oui. Oui, pour les questions. Est-ce que. Ouais, je vais lui dire d'attendre. Est-ce que ils peuvent attendre 5 minutes ? On prend 5 minutes de questions. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire gardien du temps ? Je parlais du cadre. On a un cadre, c'est 5 minutes. D'accord, donc tu me feras signe quand il ne restera plus qu'une minute pour que... Alors, juste, est-ce que, en levant le doigt, il y a une ou deux questions? Peut-être on peut traiter deux questions, s'il y en a. Ah, il n'y en a pas qui vous viennent. Mince. Non, non, non. Enfin, timide peut-être, mais peut-être que c'est trop chaud, trop frais. Ah, vas-y, vas-y. Est-ce que l'intelligence collective, on la met en place de la même manière à la maison, au bureau, dans une association, enfin, est-ce qu'il y a genre le béaba? Alors, c'est une bonne question. Moi, je dirais que oui. Moi, j'interviens, vous voyez, j'interviens dans plein de milieux différents. Alors, ça peut étonner certains, parce que du coup, je suis spécialiste de rien. Je vous disais, j'étais dans un collège mercredi. J'étais avec des élèves attachés, des gens qui viennent d'obtenir le... catégorie A, là, de l'administration le mardi.
Je vais dans une PME la semaine prochaine qui fabrique des étiquettes avec le personnel administratif. Après, j'aurai le personnel des usines. Et je fais la même chose. On s'adresse à l'humain, en fait. Donc l'humain, on a tous besoin d'être écoutés. Enfin, les conditions qui ont été évoquées, elles sont juste humaines. Donc pour moi, j'applique les mêmes techniques, enfin les mêmes pratiques. Voilà. Ce que je vous ai pas dit, c'est que pour qu'elle soit mobilisée, cette intelligence, il y a ce cadre, et puis il y a aussi des pratiques, il y a des processus, il y a des manières. Alors on n'avait pas beaucoup de temps, donc voilà, sur lequel moi, par exemple, je me suis spécialisée. Il y a des spécialisations là-dedans, donc il y a moyen de voilà. Et moi, je sais qu'en famille. Ben forcément, je fais aussi, j'essaye hein, de faire de mon mieux pour écouter, se réunir. Il y a le partage en cercle qui se fait beaucoup. Enfin, c'est le cercle. Alors là, on n'y est pas, mais si j'avais eu la main, moi, je vous aurais mis en cercle. On aurait été tous en équivalence et on aurait peut-être fait un atelier différent, mais c'est très bien comme ça. Hein. Sur 45 minutes, on pouvait, c'est déjà bien. Mais oui, pour moi, c'est la même chose, c'est universel. On s'attache à l'humain. Alors après, oui, voilà, ça s'adapte. Partout, pour peu qu'il y ait cette intention que ça existe. Vous avez les retours, il y a des procédures pour avoir les retours de quand vous êtes intervenu. Comment vous savez s'il y a des choses à modifier, améliorer, ou si les gens sont contents de votre intervention. Le retour, il se fait comment ? Ouais. Alors, je n'ai pas un process qualité hyper développé. Hein. Après, à chaud, on termine toujours par un temps à chaud hein, pour savoir comment ça a été vécu, déjà. Et déjà, les vécus, en général, bah, il y a deux fois, les vécus, bah, c'était pas facile quand même, ce que vous nous avez demandé. Ce matin, j'étais pas bien. Et c'est normal, hein. Quand on est dans un nouveau bain qu'on connaît pas, on n'est pas très à l'aise. Et je vois, quand j'interviens plusieurs fois avec les mêmes groupes, que ça bouge. Donc le retour, en général, les gens prennent plaisir, ne voient pas le temps passer, parce qu'ils sont impliqués, ils participent, ils contribuent, ils sont écoutés. En fait, là où ça marche, là où c'est le plus opérant, parce que moi, mon métier, si je parle de moi, c'est d'accompagner à ce qu'il y ait une récolte. Mais là, par exemple, je suis intervenue dans une entreprise, le 28 février, depuis, ils n'ont rien fait de la récolte. Donc, les gens sont retournés, et à ce stade, il ne s'est rien passé. Donc, le travail, l'énergie qui a été mobilisée, les idées, là, elles sont dans un placard, elles vont peut-être être ressorties, j'espère, mais c'est un peu tard. Donc alors puis je vais terminer. Ben parce que oui, enfin je du coup c'est des points d'attention pour moi. Donc ouais. Donc parce que je demande toujours aux gens mais qu'est-ce que vous moi j'interviens avec mes pratiques mais au service d'une récolte. Et qu'est-ce que vous allez faire de la récolte? Comment vous allez honorer ce qui aura été produit? Parce que si vous n'êtes pas capable de l'honorer, ben ça sert à rien de faire de l'intelligence collective, au contraire, ça va encore décrédibiliser votre organisation, votre management, enfin. Donc, est-ce que vous êtes capable d'honorer? Dans quelle mesure vous voulez que cette récolte... qu'est-ce que vous allez en faire? Comment vous allez l'appliquer, quoi? Et quelles limites faut se donner pour que ça soit applicable? Donc, il y a des boîtes qui sont... ça le fait bien. Enfin, oui, ils mettent en place après, et puis ça roule. Et puis, c'est là la limite du système. C'est que moi, je suis là sur un temps pour faire émerger quelque chose. Si après, on ne l'arrose pas ou qu'on le récolte pas, qu'on ne le transforme pas, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Moi, je fais pousser des choses, des petites pousses ou des fruits. Mais si après, on ne les mange pas ou qu'on ne les met pas, on ne les cuisine pas, ben, c'est pourri, quoi. Enfin, ça ne donne rien. Donc, c'est ça, je dirais, la limite. Après, il y a des organisations qui m'ont appelé pour mettre en place de la gouvernance, tout le système en intelligence collective. Alors là, ça c'est vraiment waouh. Mais c'est bien rare. Mais ce n'est pas grave, ça va venir. Bon, je m'arrête là, peut-être. Moi, j'étais ravie de partager parce que c'est tellement... voilà, plus on sera nombreux à œuvrer comme ça ou à essayer, à mettre des petits endroits où il y a ces espaces-là, ben, mieux ça sera pour nous tous et notre humanité. Merci à vous, les transacteurs.